Vous savez, c'est que vous partez. Merci à tout le monde d'être venu pour cette dernière séance du quart d'heure insolite. Je vais commencer par remercier les gens qui m'ont aidé à faire ça, de manière un peu plus exhaustive, on va dire, que les autres fois. Donc d'abord, je remercie la bibliothèque. C'est vrai que j'oublie tout le temps de le faire, je m'en excuse ici, mais du coup, je vais vous remercier trois fois. Merci. Donc qui nous accueille, donc qui met en place cet espace ici qui d'habitude est réservé à la lecture. Donc c'est du boulot pour les personnes qui font ça, donc j'apprécie vraiment. Ça nous donne aussi un lieu qui est quand même très convivial, beaucoup plus qu'une salle de classe ou qu'un amphi. Hein. L'an dernier, la séance équivalente de celle-ci, on l'avait faite à Eve, en bâtiment Eve en bas, et c'était un petit peu froid quand même. Hein. Enfin, bon, le tout était sympa, mais voilà, moi j'aime vraiment être ici, donc merci encore de nous inviter régulièrement ici. Je remercie aussi les étudiants de la formation MMI à l'IUT, qui s'occupent dans le cadre de leur projet, d'un de leurs projets scolaires, universitaires, on va dire, de la communication, c'est-à-dire qu'ils s'occupent, ils font les affiches, je reparlerai de l'affiche un petit peu après, mais ils font les affiches, ils font les teasers, ils s'occupent aussi de la captation, donc captation audio et captation vidéo, et ils me donnent des fichiers avec lesquels moi après je peux faire le montage et que je peux mettre sur YouTube. Donc, encore une fois, si on peut voir les choses sur YouTube, donc tiens, je ne fais jamais ça, je vais m'adresser aux gens qui ne sont pas là. Bonjour les gens sur YouTube. Donc si vous voyez ça, c'est grâce à ces étudiants qui font un super boulot. Donc il y a trois caméras, hein, trois points de vue différents. Si vous regardez attentivement la vidéo de maintenant, normalement, ça va osciller entre les trois. Donc merci à eux. Je remercierai aussi l'invité Florence Porcel tout à l'heure quand on commencera à interagir. Mais déjà, merci d'être venu, super. Merci aux gens qui viennent aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, c'est super le quart d'heure, quand est-ce que c'est sur YouTube ?» Avant même qu'on ait fait le truc, quoi. Donc oui, bah, je suis content de savoir que par avance, des gens sont intéressés, mais c'est quand même aussi très sympa d'avoir des vrais gens. Il y a des fidèles, il y en a qui viennent de temps en temps, il y en a beaucoup qui s'efforcent de venir, qui ne peuvent pas tout le temps, mais j'apprécie vraiment, quoi. Enfin, j'ai l'impression d'être en terrain amical, donc c'est assez chouette pour moi de faire ça. J'ai déjà pris 3 des 10 minutes que j'avais promises. Donc bon, je vais commencer donc par vous parler très brièvement du métier d'astrophysicien, vous dire 2-3 choses sur ça. Ça donnera aussi une petite base après pour discuter avec Florence sur certains des points. Ah non, pardon, je n'ai pas parlé de l'affiche. Oh là là, quand même. Pour ceux qui ont vu l'affiche, alors ici, elle est un petit peu tournée. Mais, donc l'affiche, elle a encore été dessinée par, je dis encore, comme c'était une habitude blasée. Non, pas du tout. Hein. De nouveau, Clément Favre nous a fait vraiment l'honneur de dessiner pour le quart d'heure insolite. Donc, il a fait cette affiche. Il s'est inspiré de la couverture d'un livre qui est écrit par Florence Porcel, donc je le présenterai tout à l'heure, ce livre aussi. Et donc il s'est inspiré de ça, il a fait quelque chose qui ressemble un peu, qui est finalement assez, c'est marrant, c'est assez éloigné pour ceux qui ont vu la couverture. Hein. Je la mettrai en surimpression sur la vidéo, sinon elle est ici pour ceux qui sont un petit peu près, c'est celle qui est là. Mais en même temps, on reconnaît bien certains éléments. Bon, bref, elle est vraiment superbe, donc merci encore à lui. Et j'ai un petit machin, donc je recommence, je reviens en arrière et je le fais à la main comme ça. L'agence des étudiants s'appelle Fuse. Je les ai remerciés comme ça, mais voilà, merci Fuse, c'est fait. Alors, je vais vous parler d'astrophysicien. Parce que c'est une partie de mon boulot. Enfin, quand je demande ce que je fais dans la vie, je peux répondre, je suis astrophysicien. Et une chose qu'on répond assez souvent, qu'on me dit, c'est « Waouh, vous faites un métier formidable, vous avez toujours la tête dans les étoiles et tout ça. » Et je voudrais en fait prendre quelques minutes pour rebondir sur cette phrase. Les gens, ils ont un peu ça dans l'idée quand on dit astrophysicien. J'ai déjà présenté cette image la dernière fois. Donc ça, c'est Hubble qui est en train de regarder dans un télescope. On pense aussi à ça,
astrophysicien, effectivement, donc quelqu'un qui uberise, qui fait un petit peu le clown, mais voilà, quelqu'un qu'on... un astrophysicien qui est très visible. On pense un peu moins souvent à ça, en fait. Ça, c'est aussi un vrai astrophysicien. Il y en a qui le reconnaissent. Oui. C'est Kip Thorne, donc un astrophysicien actuel, qui est encore en activité. Voilà. Et donc, je vais essayer de corriger quelques idées reçues, quatre idées reçues sur ce que c'est qu'un astrophysicien. Première idée, un astrophysicien ne sait pas où se trouve Altaïr dans le ciel, en général. Alors, je vais dire un astrophysicien, c'est en général. Il y en a probablement qui savent, mais disons que ça ne fait pas partie de leurs attributs d'astrophysicien de savoir ça. Donc, en gros, si vous voyez un astrophysicien et que vous lui demandez « Tiens, où est telle étoile dans le ciel ?», en général, il ne saura pas, d'accord ? Parce que ce n'est pas son boulot du tout. Ce n'est pas un astronome. Et je souligne aussi que ce n'est pas du tout forcément un passionné d'astronomie. Beaucoup d'astrophysiciens n'ont pas spécialement le goût d'aller passer leur nuit l'œil à un télescope pour regarder des trucs alors qu'il fait froid, quoi. Il y en a qui préfèrent regarder des séries dans leur canapé ou dormir aussi. Voilà, il y a tout un tas de choses. Donc, un astrophysicien, ce n'est pas forcément ça du tout. Ils ne connaissent pas forcément la température sur Vénus non plus. Moi, ça m'arrive des fois dans les confs, à la fin d'une conf, les gens viennent. Ah ouais, alors il paraît que sur Vénus, en fait, la température, elle ne vaut pas tant, mais elle vaut 2 degrés de plus. Je la regarde comme ça, mais j'en sais rien du tout, quoi. Je ne suis pas vénusologue, je suis astrophysicien, donc je ne sais juste pas, quoi. Et donc, ce n'est pas non plus des gens qui ont une connaissance infuse de tout. Ce n'est pas des puits de science sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'astrophysique. C'est des gens qui sont en général spécialisés dans un domaine. Je dirais un tout petit peu après rapidement ce que c'est, en fait, certains volets de ce que c'est ce boulot. Mais ça reste des boulots de spécialistes. Les gens, ils peuvent vous répondre de manière technique, abondante, sur certains points précis qui sont leur sujet professionnel, alors que sur d'autres, ils peuvent au mieux ne pas vous répondre, ou au pire, vous dire des bêtises s'ils se sentent pris dans leur rôle de puits de science, parce qu'on leur demande des choses en tant qu'astrophysicien, et ils ont envie de répondre un truc. Donc méfiez-vous si vous posez des questions à un astrophysicien dans un domaine qui n'est pas le sien. Je me mets en plein dans ce panier-là, hein, que les choses soient très claires. Ils ne connaissent pas non plus le nom de la toute dernière exoplanète, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément au courant des informations, des dernières découvertes. Voilà, genre, ça m'arrive aussi, à la fin d'une conférence ou pendant une conférence. « Ouais, monsieur, j'ai vu hier dans le journal télévisé qu'ils ont encore découvert une nouvelle exoplanète qui serait à 4,82 années-lumière. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors, en général, déjà, moi, perso, j'en sais rien. Parce que je n'ai pas la télé, donc je ne vois pas ces informations-là. Et il faut voir aussi qu'effectivement, les astrophysiciens, ils n'ont pas forcément le goût non plus d'aller s'intéresser aux dernières nouvelles d'astrophysique, ou même de science. En fait, astrophysicien, c'est un métier. Ce n'est pas forcément une passion absolue. Et il y a des astrophysiciens qui font autre chose de leur soirée, de leur vie, de leur week-end, que d'aller compléter leurs connaissances d'astrophysique dans des domaines un peu connexes aux leurs. Ça, c'est aussi quelque chose que parfois les gens ont du mal à imaginer, en fait. On a l'impression qu'on devient astrophysicien vraiment par passion et que du coup, ça remplit entièrement une vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On peut faire plein d'autres trucs. Et enfin, ils ne se demandent pas forcément d'où l'on vient et où l'on va. C'est-à-dire qu'ils ne se posent pas forcément des grandes questions cosmiques sur le devenir de l'humanité, des gens et tout ça. Et même, la plupart du temps, ça ne les intéresse pas du tout, quoi. Et alors, ça n'empêche pas d'avoir envie ou d'avoir le goût de ça, hein, vous en avez. Mais ça, c'est plus des questions qui relèvent de la philosophie, j'ai envie de dire, donc peut-être de la religion aussi. Donc les gens ont le droit d'être astrophysiciens et d'avoir des points de vue qui relèvent d'autres domaines, comme la philosophie, ou d'avoir une réflexion philosophique, ou religieuse d'ailleurs. Mais ce n'est pas du tout un prérequis sur les astrophysiciens. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent, parce que les gens pensent qu'effectivement, le but en fait, des astrophysiciens, le but, pourquoi est-ce que les astrophysiciens font de l'astrophysique, ben, c'est pour comprendre ça, c'est pour comprendre l'homme, pour comprendre des trucs sur les origines et tout. Pas du tout. Et je vais vous le dire très franchement, moi, personnellement, ça me gaffe, quoi. Enfin, c'est des questions qui vraiment ne m'intéressent pas, à titre personnel, hein. Bon. C'est dit. Le premier qui me demande d'où on vient, je lui dis tout de suite où il va, quoi. Dehors. Alors, je vais quand même dire un petit peu, réagir sur ça de manière positive. Vous faites un métier formidable, toujours la tête dans les étoiles. Alors, toujours la tête dans les étoiles, non, mais vous faites un métier formidable, oui. Ça, très clairement, il y a plein d'aspects très positifs à ce métier. Je vais juste en donner un. La raison pour laquelle les gens font ça en général, c'est qu'ils ont le goût de comprendre,
comprendre, c'est-à-dire ils sont spécialisés sur un domaine. Je vais prendre le domaine dans lequel je travaille. Moi, je travaille sur l'astrophysique des particules. C'est un domaine dans lequel on peut mettre ensemble des connaissances de physique des particules et des connaissances d'astrophysique, de voir comment les deux se mêlent et d'arriver à aller chercher des connaissances dans les deux domaines que peu de gens ont déjà mis ensemble pour trouver des choses nouvelles. Moi, je travaille par exemple sur la possibilité de mesurer de l'antimatière dans les rayons cosmiques, ou plus précisément, à partir de telles mesures, de déduire des choses sur la présence de matière noire dans l'univers. Vous voyez que c'est un truc très technique, il me faudra une heure pour vraiment aller vous expliquer tous les termes de ce que je viens de dire. Là, je ne vais pas le faire. Mais moi, mon métier, c'est ça. Et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est vraiment justement d'aller chercher des connaissances qui, a priori, n'ont pas l'air de relever de l'astrophysique, par exemple, et finalement de le faire, et je dis moi en groupe, hein, en équipe, et de finalement trouver des choses nouvelles que les gens n'ont pas trouvées avant. Ou même des fois que les gens ont trouvé avant, mais de le trouver par soi-même. Ça, c'est super, hein. On arrive à quelque chose qu'on n'a pas compris, et on s'aperçoit que paf, quelque chose se construit là-dedans. Ah ouais, ah oui, et là, il y a une jouissance, hein, vraiment physique, intellectuelle, de comprendre. Des fois, d'autres gens l'ont compris, ils ont dit, je ne suis pas le premier, mais ce n'est pas grave, je me suis fait plaisir, et voilà quoi. Il est là, le plaisir. Et là, moi, je n'ai rien appris à ce moment-là sur d'où on vient, hein, et surtout pas d'où on va. Alors, des gens qui effectivement font ce travail d'aller chercher plein d'informations, d'être des puits de science, etc., de faire le lien entre les physiciens, les astrophysiciens très spécialisés et le grand public, je vais dire vous ici, il n'y a pas que des gens du grand public, mais voilà, vous, on en a besoin. Ce n'est pas forcément les scientifiques les mieux armés pour faire ça, je vais appeler ça des passeurs, c'est pas le terme et pas de moi, mais voilà. Il y a pas mal de gens qui font ça. Alors, je vais vous présenter, par exemple, lui. Je ne sais pas si des gens le reconnaissent. Donc, c'est André Braik, quelqu'un qui est décédé il y a 2 ans. Donc, quelqu'un qui était vraiment un passeur exceptionnel. J'ai choisi de présenter lui parce que dans les items que j'ai mis tout à l'heure, un astrophysicien, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Lui, en fait, il cochait tout. Il savait tout ça. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour ça, en plus d'être un grand scientifique. Je vais aussi parler de lui, qui n'est pas du tout un scientifique, mais qui est aussi un passeur exceptionnel, à mon avis, Alexandre Astier, voilà, qui fait un travail exceptionnel, mais vous le connaissez certainement très bien, enfin son travail en tout cas. Il y en a d'autres, des passeurs, il y en a tout un tas, on va certainement avoir l'occasion d'en parler maintenant. Donc moi, je vais vous parler d'une de ces passeuses. Ça va, t'es en bonne compagnie, là, t'as pas l'impression? Donc Florence Porcel, qui présentera exactement son métier, parce que j'ai pas envie de dire elle est ceci, elle est cela. Enfin, je vais le faire un tout petit peu, mais ça sera probablement incomplet. Donc elle se présentera elle-même, donc qui est ici, nous a fait le plaisir de répondre à mon invitation. Donc déjà, merci. Et Florence Porcel, elle fait tout un tas de choses. Elle fait, je ne vais pas dire elle est youtubeuse. Elle fait des choses sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle La Galaxie de Florence Porcel, que je vous invite à aller voir. Elle a fait des chroniques sur France Inter dans l'émission La Tête au Carré. Elle a fait des livres et elle fait des livres de vulgarisation scientifique tournés autour de la conquête spatiale, l'astrophysique, la cosmologie. Elle a fait une bande dessinée, elle est ici, on en parlera aussi avec un dessinateur. Elle fait de l'animation scientifique aussi, des conférences, et puis aller devant les gens lors de manifestations scientifiques pour tenter de donner le goût des sciences aux gens. Donc voilà la couverture de sa bande dessinée. Donc je vais m'arrêter ici sur ma présentation. Les gens à la technique ici, vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous caler, de 2 minutes, ou c'est bon en fait ? Un tout petit peu, prenez la minute qu'il vous faut. Donc, je vais t'inviter à venir ici. Et puis, dans une minute, dès qu'eux sont prêts, on va commencer. Point arrivo. Ah, c'est ça, depuis tout à l'heure, tu regardes là-bas ? Non. Non, je rigole. Moi, oui, en fait. S'il y en a qui veulent venir, c'est open bar. D'accord ? Allez-y. En général, les gens se sentent mal à l'aise, mais c'est bien, là, toi. Non, mais t'as raison, ouais. OK. C'est bon pour vous ? Ouais ? Le son, l'image ? OK. Alors, merci Florence d'avoir répondu à l'invitation. Alors, je vais déjà commencer par te demander, par te présenter mieux. C'est-à-dire, quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu réponds aux gens ? Je réponds que je suis le lien entre les scientifiques et le grand public. D'accord. Et que je traduis les trucs compliqués en mots simples. D'accord. Voilà. Okay. Ça te va comme... Ah bah c'est, écoute, ouais, ça correspond assez à ce qu'on peut voir que tu fais. J'ai oublié des choses dans la liste que j'ai faite ici. Non, il y a tout. Par contre, je ne te remercie pas de m'avoir fait passer après André Braik et Alexandre Astier. C'est pas cool. Bah écoute, et dans quelques années, ça sera peut-être avant. Waouh. Wow. Non, t'as tout mis. Il y a tout, en fait. Donc, t'as vraiment été...
Exhaustif, c'est ça le mot ? Ouais. Ouais. Ah mais c'est toi normalement qui est censé être la spécialiste des mots, parce que moi je suis nul à ça, donc on va... Oui, oui, c'est vrai. Non, non, il y avait tout, donc merci beaucoup. Okay. Et merci de ne pas avoir dit que tu es journaliste, parce que je ne suis pas journaliste. Mais ouais, je fais de la vulgarisation scientifique. En fait, moi j'essaye de divertir intelligemment. Comme j'ai pas de, je ne suis pas scientifique, j'ai un bac littéraire, je suis comédienne de formation. Donc moi je ne suis pas là pour donner des cours ou pour apprendre des trucs. Moi je divertis, et si possible, intelligemment. Ok, voilà. Bah, du coup, mais, puisque t'en penses, je vais te poser la question, de, la question qui fâche tout de suite. Non, mais parce que là, j'imagine que ce qu'on te demande assez rapidement quand tu dis ça, c'est mais du coup, de quel droit est-ce que tu nous parles de science ? Eh oui, de quel droit ? Bah, je l'ai pris, le droit. Ouais, ok. Voilà. Je l'ai pris. Non, mais en fait, j'ai cette passion depuis que je suis toute petite. Donc, en fait, j'ai quelques connaissances, mais que j'ai apprises dans les livres grâce à ces gens que tu as montrés et qui ont écrit eux-mêmes de la vulgarisation. Et en fait, je m'octroie le droit parce que je travaille en lien avec des scientifiques. Toi-même, tu sais, puisque tu as relu mon dernier livre. Et donc, je fais systématiquement relire, que ce soit les scripts de mes vidéos ou mes conférences ou mes livres, encore plus évidemment. Enfin, tout, je fais vraiment valider par des experts pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Après, tout l'enrobage, c'est moi qui m'en occupe. Les vannes, c'est moi qui les écris, voilà. Mais le fond, voilà, la forme, personne n'a à me dire quoi que ce soit sur la forme, mais sur le fond, là, je fais valider et je ne vais pas m'amuser à dire non, mais ça ne m'arrange pas, ou là, ça, là, j'avais une blague, mais en fait, elle ne marche plus si tu me changes le truc. C'est, non, bah, je m'adapte, voilà. Ouais. Je m'adapte aux connaissances à un certain moment donné et ensuite, moi, j'enrobe pour faire passer ça de manière rigolote. Ah ouais, ok. Et du coup, bah, je peux confirmer, parce qu'effectivement, on a travaillé ensemble sur un des projets, qu'effectivement, c'est assez impressionnant de voir le nombre de gens dont tu t'entoures pour effectivement valider chacun des chapitres avec des spécialistes de ce chapitre-là. Et bah, quand on voit ce qui est fait sur... Là, je vais parler de YouTube, hein, ce qu'on voit sur YouTube. Bon, moi, j'ai aussi, alors, pas au même niveau, mais des choses sur YouTube. Du coup, les gens me parlent des fois, me disent « Ah ouais, vous faites des trucs sur YouTube, mais il y a machin qui fait aussi des vidéos, tu remplaces machin par qui tu veux, vous remplirez le trou, voilà. » Et je vais voir machin, et des fois, je suis juste hyper étonné et déçu, quoi, de voir qu'il y a des gens qui sont extrêmement visibles, hein, qui ont des millions de vues, je pense. Hein. Et effectivement, quand on regarde ce qu'ils font, bah, on se dit qu'il n'y a personne qui est passé derrière. Peut-être qu'ils n'ont pas la formation pour parler de ce dont ils parlent, mais ce n'est pas forcément le problème. Mais surtout, effectivement, il n'y a pas de validation et il y a des bêtises énormes, quoi, toi. Alors, est-ce que tu te sens, toi, à l'abri de ça ? Enfin, j'ai l'impression qu'avec le boulot que tu fais, quand même, tu es quand même... Tu te blindes un petit peu, quoi. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de bêtises. Maintenant, l'erreur est humaine, et même les scientifiques peuvent se tromper. Et voilà, et c'est pas grave. Il suffit de faire un petit erratum ou de corriger ou de supprimer la vidéo, de la corriger, de la remettre en ligne. Tu le fais, ça. Tu peux... J'ai jamais supprimé une vidéo, mais ça m'est arrivé de dire des bêtises, de laisser passer un truc. Et donc, du coup, soit je mets un commentaire épinglé, donc qui arrive en premier et donc on le voit, soit je mets dans la description sous la vidéo, mais je corrige. Et je fais pareil pour les livres, d'ailleurs. Alors, je ne peux pas corriger un livre une fois qu'il est imprimé. Ça malheureusement, ce n'est pas possible. Mais sur mon blog, déjà, je mets toutes les sources, tous les noms des gens qui m'ont relu. Je renvoie, il y a toute la bibliographie et tout. Et si j'ai dit une bêtise, voilà, je l'indique, bah, voilà, dans tel chapitre, il y a telle page, tel chiffre n'est pas bon. Voilà, donc je m'excuse et je corrige l'erreur. Donc je fais ça. Et en dessous des vidéos, dans la description, je mets systématiquement toutes mes sources, la bibliographie, le nom de la personne qui a validé le texte et le nom de son labo, etc. Et un lien pour aller voir si jamais... voilà. Donc les gens peuvent aller vérifier la manière dont je travaille, avec qui j'ai travaillé. Et ça, c'est voilà, c'est par transparence et c'est pour que l'esprit critique des gens soit tout le temps allumé, en fait. Qu'ils ne prennent pas pour argent comptant tout ce que quelqu'un dit. Ouais, voilà, qu'on puisse aller... en action. Voilà, ouais. Exactement. Qu'on puisse aller vérifier les informations, la manière dont j'ai travaillé et si c'est sérieux ou pas. D'accord. Et si c'est pas voilà, que des liens Wikipédia. Ouais, ça, en général, c'est pas très bon signe. Sachant que Wikipédia, c'est super, hein, c'est un outil génial, mais pour moi, c'est une source de sources. Ouais, c'est-à-dire que voilà, je vois la page Wikipédia, mais je regarde dans les sources, justement. Et là, je clique sur les liens vers les sources les plus primaires possibles pour remonter vraiment à la source de l'information. Et voilà.
Et comment tu choisis les sujets dont tu parles? Parce que tu parles quand même de choses assez diverses. Ouais. Qu'est-ce qui détermine ton choix de tiens, maman, je vais parler ici de ça? L'humeur. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas de cahier des charges, t'as pas un plan comme ça de non, bah, pas, surtout pas sur YouTube, parce que je fais ce que je veux, donc c'est moi qui décide. Des fois, quand même, les gens me proposent des sujets et je dis ah ouais, tiens, bonne idée, je vais traiter ça. Souvent, c'est quand moi-même, je maîtrise pas quelque chose et que j'ai besoin de comprendre et je sais qu'en l'expliquant, bah, ça va être assimilé ensuite. Ouais. Il y a des gens qui opinent, les gens qui enseignent dans la salle, ils sont tous là. Ouais, je pense que c'est le cas des enseignants. Voilà, tout simple. Bah, par exemple, le parsec et la seconde d'arc. Ces deux notions, j'arrivais pas à comprendre. C'était flou pour moi dans ma tête. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un lien. Donc super, j'en ai fait une vidéo au lieu de deux. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, quand on me dit c'est telle seconde d'arc ou alors c'est à temps de parsec, je visualise. Ouais. Avant, j'étais là à traduire en années-lumière ou maintenant c'est en bon. Inch. Ça c'est, voilà, c'est ça bien sûr. En miles. Donc des fois c'est des trucs que je comprends pas et donc du coup une fois que j'ai traité le sujet, j'ai compris. Donc ça c'est très chouette. Ou alors ça peut faire partie de l'actualité. Par exemple le boson de Higgs. Voilà, quand on l'a découvert, c'est quoi le boson de Higgs? Donc là, il faut aller dans le dur, s'entourer de gens que tu ne comprends pas. Donc, mais voilà, et ensuite, moi, je fais à ma sauce et je redonne avec des mots que j'espère simples et des analogies qui sont plus ou moins heureuses, mais en tout cas, que je fais valider toujours avec les précautions d'usage. Quel peut être le choix de mes sujets aussi? Et pour les livres, ça peut m'être imposé ou alors c'est une discussion avec les éditeurs et voilà. D'accord. Et t'as quel retour sur tout ça là? Donc effectivement, tu fais beaucoup de choses pour expliquer la science, la physique et tout. Comment est-ce que tu as des retours des gens? Comment est-ce que tu sais si les gens apprécient et comment les gens apprécient ce que tu fais? Ah bah sur Internet c'est facile. Hein. Ouais. C'est soit on t'insulte, ouais. soit on t'envoie des compliments. Donc en général c'est... Ouais. Non puis t'as le nombre de likes etc. Donc sur Internet c'est très quantitatif en fait. Tu peux savoir tout de suite. En ce qui concerne les livres c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que tu sais pas qui achète les livres, s'ils sont lus du début jusqu'à la fin. Les vidéos sur YouTube c'est pareil. Hein. T'as toutes les stats. Ah oui, tu sais combien de temps ils ont regardé. Ah ouais, t'as toutes les statistiques. Tu peux savoir à quelle seconde les gens ont décroché. Ah oui, t'as tout. Vous êtes surveillés. Je vous vois. Et comment tu gères ça parce que tu parles des commentaires, des insultes. Et moi, c'est un truc auquel j'ai été aussi assez sensible à un moment, même si j'en avais beaucoup moins de temps. Mais il y a une vidéo que j'avais faite dans le cadre du quart d'heure insolite sur Tesla. Et là, vraiment, mais c'était la bordée d'insultes et j'ai pas su gérer ça. Moi, j'ai juste arrêté les commentaires, quoi. J'ai éteint le truc. Je me suis dit, je veux plus lire des gens qui me parlent de ça, même si c'est bien ou pas. J'avais juste en fait peur d'ouvrir mon mail et de me dire, tiens, qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui, en fait. T'arrives à gérer ça, toi? Plus ou moins bien. Ok. Bah, ça dépend de la fatigue, ça dépend de ton, enfin voilà, de comment tu vas, des commentaires en question. Parce qu'il y a des fois tout va bien, puis il y a des fois, bien sûr, voilà. Quand tu es une femme, en plus, t'as ce critère-là en plus qui se rajoute. Remarques sexistes, remarques... Ouais, puis les menaces de viol, en général, mes camarades masculins n'ont pas ça. Ou de mort, enfin bref. Donc, c'est quelque chose que j'ai à gérer, que mes camarades munis d'un pénis n'ont pas à gérer. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça dépend, je gère plus ou moins bien selon les moments, mais par exemple l'année dernière j'ai fait comme toi, j'ai fermé tous les commentaires sur ma chaîne pendant 6 mois, parce que je n'en pouvais plus, c'était ça où je supprimais ma chaîne, où j'allais élever des chefs dans le Larzac, enfin je sais pas, il fallait que je fasse un truc, où j'allais tomber dans la dépression, donc à un moment faut se protéger aussi, donc j'ai coupé 6 mois, ça m'a fait un bien fou, et quand j'ai été prête, je les ai remis. Et il se trouve que maintenant ça va. D'accord. J'ai un sale pute de temps en temps, mais globalement, c'est deux par mois. Ouais, ça va. Rare, c'est pas voilà. Mais par contre, je fais des vidéos sur notre chaîne YouTube, et là sur l'autre, donc c'est pas modéré, les commentaires sont pas modérés, et il y a ça dépend des vidéos, mais entre un commentaire sur 3 et un commentaire sur 5 qui sont sur mon physique. C'est hallucinant. Hein. Voilà. Donc, vous ne les voyez pas sur ma chaîne parce que moi, je les supprime. Donc, je les reçois moi, mais vous ne les voyez pas. Mais ils existent. Mais voilà, sur une chaîne qui n'est pas modérée, ils sont là. Donc, on peut aller voir et comparer un petit peu les deux salles, deux ambiances. Ah ouais. Ouais.
Bah, du coup, puisque tu en parles, effectivement, j'imagine être une femme dans un milieu qui est quand même pas mal d'hommes. Ouais. Est-ce que ça, enfin, toi, ça change ta manière de travailler? Ça affecte, disons, des choses dans ton oui, travail? Oui, bah, être une femme, point. Dans D'accord. la société, affecte notre manière d'être dans la rue, dans les transports en commun. Enfin, maintenant, je n'apprends ça à personne, je l'espère. Donc, de base. Et effectivement, quand on travaille dans un milieu fortement encore masculin, forcément, c'est un peu plus compliqué. Quand, en plus, on n'a pas fait d'études scientifiques, ça rajoute une couche. Bref, hein, j'ai coché toutes les cases qu'il ne fallait pas. Mais tu le fais quand même. Mais je le fais quand même, parce que je ne sais pas, je dois être maso. Non, mais oui, forcément, ça, c'est, j'ai des difficultés que mes camarades n'ont pas, je suis moins prise au sérieux, je suis moins bien payée, le lot d'une femme, quoi, voilà. Mais ça avance, hein, ça avance, je ne suis pas complètement pessimiste, ça avance. Lentement, beaucoup trop lentement, mais ça avance. Bah, tu fais partie aussi du processus qui fait que ça avance, de fait oui. qu'on te voit... Bah oui, du coup. Ouais, ouais. Mais c'est horrible de dire ça, mais je dis que je suis la génération sacrifiée, c'est-à-dire que je me prends tout ce qui ne va pas, mais au moins, pour la génération suivante, les jeunes filles, les jeunes femmes auront vu qu'on était là, on était quelques-unes, et que donc elles pourraient le faire elles aussi. Ouais, ouais. Et donc ça ira un peu mieux pour elles, et la génération d'après elles, encore mieux pour elles, etc. etc. Donc là, c'est dur, c'est pas facile tous les jours, mais je tiens bon pour la suite. Mmh, ok. Je vais, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je vais vous laisser la parole quand vous voulez. Ouais, bah tiens, vas-y. Et du coup, vous parlez de modérateur. Tout à l'heure, vous avez pensé à avoir un modérateur externe pour pouvoir faire un palier entre vous et les commentaires? Oui, si, c'est possible techniquement, effectivement. J'y ai pensé, mais en fait, maintenant, ça va mieux. Donc, j'ai plus trop de problèmes sur ma chaîne. Donc, tout va bien. Mais sur l'autre chaîne, j'ai pas les codes. C'est pas moi qui m'en occupe. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, si j'ai pas envie de me prendre de la merde dans la gueule, je vais pas lire les commentaires, puis c'est tout. Voilà. C'est pas facile, hein, parce qu'on aime bien aller voir quand même. C'est toi qui écris, c'est toi qui interprètes, t'aimes bien savoir le retour des gens. Et tu peux pas. Enfin, quand tu lis tout, quoi. Donc, mais bon, voilà, quand je me sens pas de le faire, j'y vais pas, puis c'est tout. Mais oui, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Et certaines le font, ou certains le font. Mais. C'est possible. D'autres gens qui veulent prendre la parole? Ok, je la... Oui, vas-y. La plus grande partie de votre travail, c'est derrière un ordinateur, dans la rue, derrière un livre, ça se passe comment? Derrière un ordinateur. Je passe 18% de mon temps derrière. Là, c'est les 2%. On a de la chance. Bah ouais, parce que quand tu... En fait, une vidéo, c'est bien simple, c'est... Le produit final que tu vois, c'est 5% du boulot. Tout le reste, c'est... par exemple, j'ai un exemple très concret. J'ai fait une vidéo sur les ondes gravitationnelles qui dure, je crois, 10 minutes. C'est 35 heures d'écriture. D'écriture? Oui, d'écriture, ouais. Juste d'écriture. Le temps de piger le truc, de savoir comment tu vas... quel angle tu prends, dans quel sens tu vas donner les infos, comment tu les associes, le déroulé du truc, les infos que tu donnes, celles que tu choisis de ne pas donner. Tu peux faire une heure sur les ondes gravitationnelles, et puis tu peux faire 15 heures, en fait, et puis tu peux faire 100 heures. Donc, à un moment, si tu veux faire 10 minutes, voilà. C'est un autre exercice. Ensuite, il faut aller vérifier les infos. Il y a les allers-retours avec les scientifiques qui valident le texte. Il faut mettre des vannes à l'intérieur. Enfin, bon, c'est un travail, en fait. Hein. Voilà, donc 35 heures d'écriture pour 10 minutes de vidéo. Ensuite, une fois que le script est prêt, il faut tourner. Donc, j'ai pas de studio, hein, c'est chez moi. Donc, je bouge les meubles, j'installe les caméras. Faut vérifier toute la technique, hein, la lumière, le son, le cadre, la batterie. Et puis, quand tu es devant la caméra, tu peux pas savoir à quoi tu ressembles une fois que tu es devant, parce que tu peux pas vérifier. Genre, je me clone pas, malheureusement. Ensuite, il y a le tournage. Alors, entre les pompiers qui passent, bref, c'est compliqué. Ensuite, tu as le montage. Donc, il faut 4 heures de rush pour 10 minutes de montage final. Donc, il faut regarder tous les rushs, choisir ce que tu choisis, ce que tu gardes, voir si ça va avec ce que tu as gardé avant et après, que le rythme soit bon. Il faut faire du nettoyage du son, de l'étalonnage. Il faut mettre de la musique et habiller. Ensuite, il faut faire les exports.
parce qu'à chaque fois que tu exportes un truc, enfin bon bref, c'est long, c'est long. Vous ensuite, êtes combien à faire ça ? Toute seule. et ensuite, il faut que tu mettes en ligne et que tu fasses un peu de community management, c'est-à-dire bah, tu teases un petit peu la vidéo en amont sur les réseaux sociaux, tu fais une jolie vignette, donc tu sors Photoshop, quand tu ne sais pas t'utiliser, ça prend 20 plombes, enfin bon bref. Vous imaginez, voilà, une vidéo, c'est donc tout ça, tu le fais derrière l'ordinateur. Et ça, c'est juste une vidéo que je fais sur mon temps libre. Parce que ma chaîne, je fais ça sur mon temps libre. Les livres, alors pour écrire un livre, j'en lis 30. Donc là, je suis plutôt derrière des livres. et puis, je lis des publications que je trouve souvent en ligne, ou des articles, ou je regarde des cours, ou des conférences, ou des interviews pour engranger le maximum d'informations. Et ensuite, ben, je rédige, et c'est évidemment la partie rédaction qui est la plus intense et la plus longue, donc ça se fait devant un écran. Et ensuite, il y a les allers-retours avec les scientifiques, qui souvent sont gentils, même s'ils me disent « là, t'as dit une grosse connerie », c'est pas grave, c'est ma faute, je change. Et donc, il y a tout le principe de relecture, etc. Et puis après, il y a tout le principe d'édition, donc la relecture de l'éditrice, ensuite de la correctrice, ensuite de la personne qui fait la mise en page, enfin, bref, tout ça se fait derrière un écran. Et puis, il y a toute la partie pas du tout sexy, c'est-à-dire ben, en fait, tous les mails que tu dois traiter, toute la comptabilité, toute la partie juridique, des contrats, des machins, les échanges avec tes agents, enfin tout ce qui est chiant en fait. Et ta compta, et les impôts, et les statuts, et... Et il y a cherche de financement. Envie de faire ça dans la vie. Voilà. Et donc, tu fais ça tout seul. Enfin, moi, je fais ça toute seule. Et je suis évidemment ni comptable, ni juriste, ni monteuse, ni chef-op, ni ingé son, ni... Moi, je suis juste autrice et comédienne. Voilà. Et j'essaye de faire tout ça et d'avoir du temps pour dormir. Alors après, tu as quelques projets, celui le dernier que tu es en train de mettre sur ta chaîne, là, où c'est fait avec un peu plus d'enrobage et de Oui, tout à fait. Là, j'ai eu une aide du CNC. Le CNC, c'est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Donc en France, c'est eux qui donnent des sous pour les films et pour les documentaires, enfin bon, tout ce qui est images et images animées. Et ils ont un budget pour les vidéastes. Donc ils distribuent il y a des bourses pour des vidéastes. Et donc oui, j'ai réussi à avoir une aide du CNC pour faire une série de 1000 vulgarisations mi-fiction sur ma chaîne. Et là, je me suis entourée d'une équipe. Donc il y a un réalisateur, c'est une coproduction, donc il y a une productrice qui cherche des sous, je n'ai pas à le faire. Un chef opérateur pour la lumière, un compositeur pour la musique, un monteur pour le montage. Enfin, moi, c'est toute une équipe, quoi. De toute façon, c'est bien simple. Hein. Une vidéo, c'est une création audiovisuelle. Quand vous voyez un film, quand vous regardez une série, vous avez sûrement déjà vu un générique. Il faut des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes pour faire un film ou un clip ou un voilà. Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, c'est exactement pareil. Sauf que souvent, c'est regroupé sur une personne ou deux ou trois, plus rarement une équipe. Mais voilà, c'est souvent vos youtubeurs préférés. On commençait tout seul, alors quand ils sont vraiment, quand ils ont vraiment des grosses chaînes, ensuite ils s'entourent d'une équipe, etc. Mais il y en a plein qui font ça tout seul. Et donc là, cette série-là, donc, les trois épisodes sont sortis. L'histoire, c'est que moi, je vais sur Mars, donc effectivement, je ne pouvais pas faire ça dans mon salon. Donc on a tourné en studio, sur fond vert, il y a des effets spéciaux, etc. Moi, je suis incapable de faire des effets spéciaux, enfin, je ne suis pas monteuse, quoi, donc voilà. Donc je me suis entourée d'une équipe et on dirait vraiment que je suis sur Mars. C'est cool. Donc voilà, mais c'est du cinéma. Et qui dit cinéma, moi je peux pas faire tous les métiers du cinéma ouais, au bout d'un moment. Donc, et là donc il y a eu trois épisodes pour l'instant qui sont sortis. Ouais, et c'est quoi le tu sais déjà comment ça va, combien il y en aura ou... Ah bah on aimerait en faire le plus possible, mais il faut juste des sous parce qu'il faut que tous ces gens-là soient payés. Ouais. Donc on cherche les financements pour les trois suivants. D'accord. Voilà. Donc c'est visible maintenant pour ceux qui veulent, je mettrai le lien sur les trois premiers sont en ligne. Ouais. Voilà. Si des gens ont des questions, moi j'en ai plein, hein, vraiment. Il faut que je surveille l'heure un petit peu aussi. Ouais, on est là. Oui. Mais du coup, bah, c'est peut-être un peu personnel, mais du coup, vous vivez surtout de l'écriture ou des vidéos ou vraiment Je vis du cumul. D'accord, du cumul. Ouais. Parce que en fait, écrire un livre, je vais être très cash. Hein. T'as 3000 euros en tout pour 18 mois de travail. Voilà.
et moi j'en vends pas assez pour toucher des droits d'auteur sur la Vendée. Un peu, mais... Tu peux expliquer le système quand même de l'avance, du coup ? Alors l'édition, j'allais dire c'est très simple. Non, pas du tout. Ce n'est pas simple du tout. Non. L'édition, en fait, généralement, et encore c'est pas dans tous les cas, mais l'éditeur propose un avaloir, c'est-à-dire une certaine somme d'argent pour écrire. Donc c'est pas foufou, hein, sauf si tu t'appelles, j'en sais rien... Catherine Deneuve ou Nicolas Sarkozy, en général, on ne donne pas beaucoup de sous pour écrire un livre. Donc voilà, c'est la somme dont je te parle. Donc ça, il te donne des sous pour écrire le livre. Ensuite, le livre sort, il est vendu, et en fait, avant de ah oui, dans ton contrat aussi, tu as un certain pourcentage sur la vente des livres. Moi, là, sur les trois, là, j'ai 7%. Donc comme le livre coûte 15 euros, ça fait 1 euro, je touche 1 euro par exemplaire vendu. Mais je ne touche pas 1 euro dès le premier exemplaire vendu. Je touche cet argent une fois que l'éditeur s'est remboursé de l'avaloir qu'il m'a donné. Donc plus tu as un gros avaloir au départ, moins tu as de chances de toucher des droits d'auteur. Parce que plus il faudra vendre de livres pour que l'éditeur se rembourse. Voilà. Donc il faut commencer à vendre à partir de 10, 20 000 livres. Pour pouvoir commencer à toucher des droits d'auteur intéressants si tu as eu un avaloir de cet ordre-là. Ce qui est le cas de quasiment personne. Si, quelques-uns forcément, mais voilà, ce n'est pas la grande majorité des gens, quoi. Ce n'est pas Marc Lévy qui veut. Hein, c'est, voilà. C'est une somme d'argent très faible. Donc je cumule, c'est pour ça que j'en ai sorti beaucoup. J'en ai écrit 4 en 30 mois. Là. Ne faites pas ça chez vous, ça, c'est pas humain. Voilà. Ensuite, il y a les vidéos que je fais sur YouTube ne me rapportent pas d'argent parce que je ne les monétise pas. J'ai pas assez d'abonnés pour que ce soit intéressant. La pub ne me rapporterait pas assez d'argent parce que voilà, YouTube est radin. Donc voilà, c'est ainsi. En revanche, il y a des accords qui ont été passés entre des sociétés de droits d'auteur et YouTube en France. Hein. C'est vraiment spécifiquement français. Dans les autres pays d'Europe, ça n'existe pas. Pour que YouTube reverse quand même un peu d'argent. Des sous qu'ils gagnent sur notre dos pour les redistribuer aux créateurs. Donc voilà. Mais c'est de l'ordre de 1 euro toutes les 1000 vues. Donc voilà. C'est pas, faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de vues pour que ce soit intéressant. Mais je touche quand même un petit peu d'argent. Ensuite, il y a le Tipeee. J'ai un compte Tipeee. Donc Tipeee, c'est un site où les gens peuvent donner de l'argent à des créateurs. Pour les encourager, voilà, c'est des dons. Donc je cumule avec ça. Il y a aussi, quelles sont mes autres sources de revenus ? Tipeee, les livres, les droits d'auteur. De temps en temps, j'arrive à me faire rémunérer quand je vais faire des conférences. Mais bon, en général, pas. Là, cette année, j'ai vécu. J'ai gagné ma vie grâce à une pub. J'ai joué dans une pub. Pour l'assistant Google, que vous avez peut-être vu au cinéma, à la télé, pendant la Coupe du Monde, enfin bon bref, ou même sur Internet. Tu avais un casque. Oui, j'ai joué le rôle d'une astronaute, donc voilà. J'étais pas facilement reconnaissable, mais voilà, j'ai eu un gros chèque, donc ça m'a fait mon année. Enfin voilà, je vous fais toute ma compta là, mais c'est compliqué. Mais non, l'année prochaine, je sais pas comment je vais vivre. Parce que j'ai un statut qui, en plus, je n'ai pas le droit ni aux congés payés, ça n'existe pas, les congés payés quand tu es auteur, et ni les droits au chômage. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. On fera passer une petite... une petite cagnotte. Non, mais ça va. C'est triste, cette année, ça va. Ouais. Mais je, voilà, c'est... moi, un revenu minimum universel, ça m'irait très bien. Ouais, ouais. Par exemple. Mais voilà, c'est pas grave. On s'adapte. Je suis contente de faire ce que je fais. Tu vois, c'est pas la mine, hein, non plus. Donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. Après, c'est pas un hobby, c'est un métier. Donc, mais c'est un métier. C'est un petit peu problématique quand moi je passe ma vie à faire des choses qui ne sont pas rémunérées parce qu'il n'y a pas de budget. Ouais. Sauf que moi, c'est mon métier. Toi, quand tu vas faire une conférence et que tu n'es pas rémunéré, bon. J'ai mon salaire. Tu as ton salaire. Ouais. Mais moi, c'est mon métier de faire une conférence. Mais il n'y a pas plus de budget. Ouais. Donc c'est compliqué. Ça veut dire quand même que du coup, il y a des gens qui effectivement te proposent d'intervenir à titre gracieux, ça pose pas de problème. Ah, mais tout le temps, mais tout le temps, ouais. Mais non, mais puis je le fais, mais c'est vrai que souvent je refuse parce que il faut aller à l'autre bout de la France et que c'est 2 jours, 3 jours et c'est 2 jours, 3 jours que je facture pas ailleurs.
Donc en fait, moi, je perds de l'argent. Ouais. Non seulement j'en gagne pas, mais j'en perds. Même si on paye le voyage et tout ça, tu perds même, de l'argent. De toute façon, je peux pas payer mon voyage parce qu'à un moment, j'ai pas les moyens. Donc c'est au moins c'est défrayé. Mais oui, si je ne facture pas ailleurs, ça veut dire que du coup, je perds de l'argent en donnant mon temps. Donc ouais. Et voilà, donc des fois j'accepte, des fois pas, voilà. Et... Merci d'être venu ici. Bah non, mais avec plaisir. Bah, attends, hein, tu m'as relu et je ne t'ai pas payé pour et ça me rend malade. Et, non, voilà, je te donnerai un petit reliquat. Ouais. Non, mais voilà, avec ce que je touche, ce n'est pas possible malheureusement de reverser un petit peu d'argent à chacun des scientifiques qui m'ont aidé. Mais ça mériterait, ça mériterait. Donc voilà, donc c'est la moindre des choses de venir ici. Bah, merci. D'autres gens qui veulent... Ouais, vas-y. Concernant la coopération des scientifiques, est-ce que vous avez déjà su des refus ? Parce que les gens n'ont pas le temps. Mais ce que je peux comprendre, hein, ils ne sont pas à notre service, en fait. Donc, maintenant, j'ai mon carnet d'adresses et je sais à qui je peux demander, etc. Et on me dit souvent... En général, quand on me dit, là, en ce moment, je n'ai pas le temps, là, ces 6 prochains mois, je suis sur une expérience où je dois rendre un papier... voilà, j'ai des deadlines, comme tout le monde, hein. Mais après, ouais, pas de problème, ça me ferait plaisir et tout, bah, je reviens 6 mois après, et là, il n'y a pas de problème. Donc, je m'organise selon les contingences des uns et des autres. Donc oui, c'est la principale raison, c'est j'ai pas le temps. Et en général, je vois à peu près qui est intéressé par vulgariser ou aider, voilà, et si je connais vraiment pas la personne, mais que c'est elle qu'il me faut, parce que c'est vraiment le sujet précis que je traite, je me renseigne. Je fais marcher mon réseau et dis est-ce que telle personne va me mordre ou est-ce que je peux y aller ? Parce que des fois, c'est des gens que j'admire. Enfin, généralement, c'est toujours des gens que j'admire et des fois, je suis un peu timide et donc, du coup, je n'ose pas. Et là, par exemple, le dernier chapitre de celui-là, de l'espace en gravité, c'était un portrait d'Anne-Marie Lagrange qui travaille pas loin. Voilà. Et je lui ai envoyé, 4 mails, un truc comme ça. À la fin, j'avais peur qu'elle porte plainte pour harcèlement, quoi. Vraiment. Et la meuf, c'est une de mes héroïnes de toute ma vie, quoi. C'est, voilà. Et finalement, elle n'a pas eu le temps de me répondre et tout. Et je ne lui en veux pas, absolument pas. Mais je n'ai pas osé lui envoyer un exemplaire du livre. Parce que je me suis dit, la meuf va porter plainte. Alors, c'est idiot, tu vois. Mais voilà, c'est pas grave. Je comprends que les gens n'aient pas le temps. Mais sinon, voilà. Ah merde, c'est filmé. Si Anne-Marie Lagrange m'écoute. Précisément, voilà. Tu as dû rencontrer quand même pas mal de gens. Oui. J'imagine qu'il y a eu des surprises positives, des déceptions. C'est quoi la plus belle ou les plus belles rencontres que tu aies faites de gens dans la liste ? C'est horrible de faire. C'est filmé, les gens qui ne sont pas dans la liste, t'imagines ? Non, mais on coupera, je rajouterai en... Non, j'ai pas de mauvaise surprise. Ça m'est jamais arrivé. Y a un peu des déceptions, mais ça, quand tu mets trop haut les gens sur un piédestal trop haut, c'est toi qui as merdé. Hein. C'est pas la faute de la personne en face. Donc maintenant, je fais moins ça. Voilà. Quand je rencontre des astronautes, c'est toujours fou. Parce que, les astronautes, ouais. Les astronautes, ouais. Ouais. Parce que les meufs et les mecs sont allés dans l'espace, quoi. Et donc, c'est toujours waouh. Moi, je suis toujours très, très tremblante quand je croise Claude Guéniéret. Là, j'en suis à 3 phrases d'affilée où je ne bégaye pas. Et ça fait des années qu'on se croise tout le temps. Hein. J'y arrive pas. Elle m'impressionne trop. C'est terrifiant. Autant d'autres, voilà, il n'y a pas de problème. On se tutoie. Mais Claude Guéniéret, je n'y arrive pas. Elle m'impressionne trop. Sinon, je suis toujours contente de rencontrer des gens comme Hubert Reeves. Voilà, qui sont des gens qui t'ont nourri depuis toute petite. Donc ça, vraiment, c'est très, très chouette. Quand tu arrives à avoir des relations plus amicales avec des gens que tu admires depuis des années, que tu lis depuis 20 ans, ça, c'est quand même très, très cool. Ça, c'est chouette. Roland Lehoucq, si tu m'entends. je couperai. Non, mais voilà, c'est... c'est très chouette. Et puis après, il y a des gens que t'admires, que tu lis depuis des années et tout. Et par exemple, Étienne Klein, j'ai pas été prête pendant des années à le rencontrer parce qu'il m'impressionnait trop et je voulais pas juste le croiser en lui disant bonjour, merci, j'aime beaucoup ce que vous faites. Voilà, ça m'intéressait pas. Je m'étais dit, voilà, si je dois le rencontrer, je veux passer du temps avec lui pour vraiment discuter, quoi.
Et donc, au point que quand il venait à la tête au carré pendant que j'y travaillais, moi, ces jours-là, je m'arrangeais pour ne pas être là. J'avais trop peur, ne serait-ce que de le croiser. Quoi. J'étais terrifiée, il me terrifiait. Et il ne me terrifie plus, hein, tout va bien. Mais voilà, et donc le jour où je l'ai rencontré, c'est quand j'ai fait mon documentaire sur l'exoconférence d'Alexandre Astier, où là, j'avais une bonne raison. Et je crois que j'ai fait ce documentaire pour avoir une bonne raison de rencontrer Étienne Klein. Donc là, c'est Alexandre Astier qui sera content si jamais un jour il tombe sur cet extrait-là. Il le sait. Totalement transparente. Non, non, il le sait. Mais voilà, donc j'ai pu passer une heure avec Étienne Klein à lui poser des questions. Et voilà, et c'était chouette. Et c'était pas juste « Bonjour, est-ce que je peux avoir un autographe ?» Non. Donc ça, c'était cool. Voilà, donc ça fait partie des trucs chouettes. Ouais, mais j'ai jamais eu de déception. J'ai eu de la chance peut-être aussi. Je ne suis pas tombée sur des gens pas sympathiques. Non, mais il n'y en a pas. Dans la science, les gens, ils sont non, ils sont sympas. Ouais. Et du coup, ça fait longtemps que vous faites cette sorte d'ensemble de métiers ? Ouais, ça fait 5 ans. Enfin, là, c'est la 6e année, du coup. Ça fait 5 ans. Je sais pas combien de temps ça va durer, parce que donc en 2019, je sais pas trop comment je vais gagner ma vie. Donc en fait, c'est le principe des freelances, en fait, c'est que ben, si tu as des contrats, c'est bien, si tu n'en as pas, tu sais jamais ce qui va se passer pour toi dans les 6 prochains mois. Donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est cool. C'est vrai que j'aimerais être un peu plus large financièrement parlant, mais bon, peut-être que ça va arriver aussi, j'en sais rien. Mais globalement, voilà, je préfère ça. Enfin, je veux dire, j'ai fait des jobs à la con quand j'étais étudiante et je sais ce que c'est que de travailler à la caisse d'un supermarché ou d'être hôtesse d'accueil ou de faire de la vente dans un magasin. Et j'ai immensément de respect pour les gens qui font ça toute leur carrière. Et donc, je râle des fois parce que c'est un peu dur, parce que j'estime que je ne suis pas payée assez avec le temps que je mets et l'énergie que je mets dedans. Mais honnêtement, ça va, ma vie, elle est cool, tu vois. Donc si ça doit s'arrêter demain, ben, j'en aurais bien profité et puis je ferai autre chose et ce ne sera pas grave. Mais voilà, donc ça fait 5 ans et pourvu que ça dure. Est-ce que vous considérez comme une youtubeuse une conférencière associée ou alors il manque un petit plus justement pour apporter la bonne sphère? C'est une grosse question et c'est une bonne question parce que j'ai toujours pas la réponse à cette question. Non mais en fait ça dépend de comment on compte ou de quel point de vue on se place. Alors de revenus clairement c'est voilà. Clairement c'est très compliqué. Et j'ai l'impression d'avoir un succès d'estime. Parce que voilà, on me fait confiance pour écrire des livres, je suis lue, j'en vends quand même pas mal, donc ça c'est très chouette par rapport à d'autres livres de vulgarisation. Mais si on regarde les chiffres d'abonnés par exemple sur ma chaîne YouTube, c'est dramatique, enfin, moi, c'est un échec total par rapport à mes camarades et à d'autres chaînes qui font les mêmes thématiques que moi. Maintenant, je suis tout le temps invitée dans les festivals, dans les conventions, dans tout ce qui se fait en termes d'événements autour de la vulgarisation des sciences et de la culture et de la communication scientifique. On me reconnaît dans la rue régulièrement. Donc, y a vraiment ce fossé abyssal entre mes chiffres à moi et comment je galère pour trouver de quoi vivre et les retours qualitatif que j'ai sur mon travail. Donc voilà. Donc j'essaye de gérer ça plus ou moins bien. Mais des fois, j'arrive à des situations un peu compliquées parce qu'on me met dans le même panier que mes camarades qui ont des chaînes qui ont 10 fois plus, 50 fois plus d'abonnés que moi. Et donc on me place au même endroit, sauf que concrètement, ce n'est pas les mêmes effets qu'il y a. Un exemple tout simple, j'étais en dédicace à la FNAC un jour. Et les mecs ont commencé à installer les barrières Vauban et dehors. Et je leur ai dit, non, mais non. Alors moi, je ne suis pas Patrick Beau ou Bruce Benamran ou Léo de Dirty Biology. Non, 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 moi, ça ne va pas du tout être ça. Ils m'ont dit, ah bon, mais pourtant. Et en fait, voilà, j'ai, euh,
En une heure, j'ai eu, je sais pas, 15 personnes, ce qui est très bien. Et j'étais contente d'être là, mais contre des centaines ou des milliers pour mes camarades. Donc, on est, enfin voilà, des fois, c'est un peu compliqué à gérer parce qu'en fait, j'ai des chiffres qui ne correspondent pas à ce qu'on projette sur moi. Que j'ai un pénis. Mime. Vraiment. Hein. Là, tu l'analyses vraiment. Ah oui, oui. Non, mais c'est même pas une analyse personnelle. Il y a des chiffres, il y a des études, il y a des faits, des expériences. Je ne suis pas la seule avec tous mes camarades, etc. Dans les autres pays, ça se voit aussi. Oui, c'est vraiment. Il n'y a pas que ça, mais il y a. Enfin. Clairement, il y a un problème. Mais comme je ne vais pas. Éliminer le patriarcat à moi toute seule, hélas, je n'ai pas ce pouvoir. Voilà. Mais oui, clairement, ça m'aiderait beaucoup. Maintenant, voilà. Je ne compte pas changer de sexe. On avait un scoop là. C'est pas prévu. Peut-être un jour je craquerai, hein, tu vois. Ben, c'est pas prévu. Est-ce que ce serait vraiment une solution? Ça en serait une. Pour toi, oui. Oui. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Un meilleur salaire ou... Alors, tu mentionnais au tout début, quand je t'ai demandé de définir ton métier, donc tu as dit que c'était de faire le lien entre les scientifiques et les gens. Il y a toute une population qui fait ça aussi, c'est les enseignants. Et comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ces gens-là? Est-ce que tu as l'impression de faire un métier qui est très différent ou similaire? Et aussi, est-ce que tu interviens dans des écoles ou des choses comme ça? Alors, je suis fille d'instit. Arg, ok. Ça, c'est un bon début dans la vie. Vous sentez le traumatisme? Jamais. Jamais je n'enseignerai. Non, c'est pas du tout mon truc. Maintenant, quand on voit mon métier aujourd'hui, c'est quand même drôle. Le jour où je me suis retrouvée au ministère de l'Éducation nationale et j'ai fait un selfie devant le panneau et que je l'ai envoyé à mes parents, j'ai fait oh putain, 10 ans de psychanalyse. je suis pas vraiment. Je pars pas du principe que je vais apprendre des choses à des gens. Déjà parce que je sais jamais où en sont les gens en face de moi. Ça se trouve, ils font des études comme vous dans une université et moi je connais rien en fait. J'ai deux, trois notions, mais voilà, j'ai rien à apprendre aux gens. Et puis, ce n'est pas ma démarche. Moi, comme je te disais, je divertis. Moi, j'aime bien faire marrer les gens, en fait. Et comme j'ai cette passion des sciences, bah, voilà, j'ai mêlé les deux. Non, mais enfin, je t'arrête là, parce que... Je donne pas les cours. Non, mais je pense que tu as une très mauvaise image, alors pardon, de ce que tu fais, mais si c'était le cas, tu n'irais pas rencontrer des scientifiques et tout ça, tu écrirais des sketchs, quoi. Donc, c'est mais pas j'écris juste... mes scripts comme des sketchs. Oui, mais comme tu ça, fais je quand pense. Même l'effort derrière. Mais je fais l'effort de vérifier les informations. Oui, je te l'accorde. Et en profondeur, quoi. Donc, il y a quand même une volonté pédagogique certaine. Alors, elle est inconsciente. D'accord. En fait, mon but, quand je fais une vidéo, c'est pas de me dire, à la fin, il faut que les gens aient compris ça. Je me dis, à la fin, il faut que les gens ils aient passé un bon moment. D'accord. Ouais. Maintenant, s'ils ont compris des trucs, ça me va, tu vois. Mais s'ils ont compris des trucs, je veux pas qu'ils aient compris des trucs de travers. Tu vois, c'est ça ma démarche. Ah ouais, c'est ça la pédagogie, en fait. D'accord. Je pense. Florence, 35 ans, découvre la définition de la pédagogie. Donc voilà. Non, mais je te titille. Non, mais tu fais bien. Voilà, ça, c'est ma démarche. Et je ne vais plus dans les écoles parce que je suis très mal à l'aise. D'accord. Les jeunes me font peur. C'est pas ton truc d'être comme ça devant un public Non. Ah ouais, okay. Je préfère parler à une caméra. Elle ne me juge pas. Et recevoir des commentaires sur YouTube. Mais ça, je peux mettre off ouais, tu vois. Ou insulter les gens en retour, ce que je fais rarement, ça c'est pas bien. Mais des fois, je suis humaine. Je dis va te faire foutre, voilà. Ça soulage. Ouais. Non, je dis va te faire cuire le cul avec du gros sel. Pardon. Mais des fois, ça soulage. Enfin, au bout d'un moment, oui, voilà. Je n'insulte pas les gens. Mais voilà, et donc dans les écoles, non, c'est compliqué pour moi, c'est un exercice qui est difficile, j'ai mal au ventre, ça ne se passe pas bien, personne ne passe un bon moment, donc ouais. Je préfère arrêter. Ouais, faire ça. Voilà. Alors pour les autres choses que tu fais, moi, j'aimerais qu'on parle de ça un petit peu. Il y a une question là ouais, on parlera de ça après. Vas-y, le mec il gère pas quoi.
La gravité, c'est la gravité. Du coup, c'est totalement personnel, mais quel est ton film sur l'espace préféré? T'as une heure devant toi. C'est dur de choisir. Bah, il y a mon triptyque Interstellar, Sœur sur Mars, Gravity, quoi. Mais c'est des trucs complètement différents. Voilà. Mais moi, j'adore le cinéma, mais ouais, c'est mon triptyque. Interstellar. Et j'avoue. Merde. Le film sur l'extraterrestre, le dernier film sur les extraterrestres qui sont venus et qui était avec Alain. Non, Premier contact. Bah voilà, ça c'est mon 4, voilà. Mais c'est des thématiques complètement différentes parce que espace, ça, voilà. Mais Mars, c'est Sol sur Mars, l'espace, c'est Gravity, science-fiction, c'est Interstellar et en termes de thème extraterrestre, c'est Premier contact. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si tu en voulais un seul, dommage. Oui, mais du coup, alors ça, c'est le film de mon enfance. J'ai grandi avec, enfin, j'ai lu le livre d'abord, ensuite j'ai vu le film. Et d'ailleurs, c'est un des rares personnages féminins qui existent dans la science-fiction et dans la littérature. Et donc, du coup, il m'a forcément énormément touchée, marquée, voilà, il fait partie de ma construction. Mais des plus récents, ouais, c'est ces quatre-là, quoi. Voilà. C'est quoi qui est pas pareil? Il y a un autre personnage féminin, c'est celui. Oui, bien sûr. Ouais, mais fini quand même en petite culotte avec. Bref. Mais ça reste un des personnages les plus badass du cinéma. Ripley, on t'aime. Vraiment. C'est clair. Et donc, tu avais une question. Oui, bah du coup, tu parles de Mars et je voudrais rebondir là-dessus. Donc, sur la BD que tu as faite avec Herman Surcouf, comment vous êtes partagé? Bah, lui, il a dessiné, toi, t'as écrit. Comment on écrit une BD? Est-ce que tu peux. Comme on peut. Non, mais comme je te disais hier, j'ai signé mon contrat chez Delcourt et après, je me suis mise devant ma page Word sur mon écran et je me suis dit, au fait, comment on écrit une bande dessinée? C'était un peu tard, j'avais signé. En fait, j'avais un cadre très bien défini, donc ça aide déjà. Déjà sur la collection. La collection, c'est de la vulgarisation mélangée à de la fiction. Donc je savais qu'il fallait que je mélange les deux. Donc c'était pas totalement de la fiction, je pouvais pas faire complètement n'importe quoi. Et en même temps, j'étais quand même un peu plus libre que dans un ouvrage de vulgarisation où il faut vraiment respecter l'histoire, les faits, les chiffres, etc. Donc j'avais un peu plus de liberté, de marge de manœuvre, voilà. Et ensuite, on avait défini le sujet, donc voilà. Je m'impose des choses moi-même, c'est-à-dire la parité dans les personnages. Je voulais que la diversité en termes de nationalité, de couleur de peau, etc. soit représentée, la diversité en termes de sexualité aussi. Donc voilà, moi je m'étais mis j'avais coché des cases et il fallait que je respecte ça. Et ensuite, il fallait que je fasse une histoire autour avec ces 6 personnages, avec de la vulgarisation qui se passe sur Mars et qui se passe dans un temps court d'une semaine. Non, mais ça cadre, mais ça aide vachement. Et donc avec ça, j'avais le nombre de pages, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé parce que je ne savais pas combien de cases par page il y aurait. Mais bon, donc j'ai bricolé un scénario avec, et en même temps, il y avait une autre contrainte, vraiment contraignante, c'est qu'il fallait quand même que je respecte les lois de la physique, ce qui n'est pas le cas dans Sol sur Mars, ou dans Interstellar, ou dans Gravity, pas toujours. Mais moi, toujours. Après, j'ai pris quelques libertés, parce que ça se passe en 2080, et que donc, il y a des choses qui n'existent pas encore, mais qui pourront exister dans 50 ans. Qui ne sont pas impossibles, physiquement. Enfin, j'espère que toi qui me dis. Hein, mais... Et sans spoiler, il y a des choses que j'imagine qu'on va découvrir qui ne sont pas complètement farfelues, mais qu'on n'a pas découvertes. Donc, il est possible que ce que j'imagine n'existe pas. Et il est possible que ça existe. Mais ce n'est pas physiquement, en tout cas, ce n'est pas scientifiquement exclu. Oui, d'accord. Voilà. Donc, j'avais quand même pas mal de contraintes, donc ça aide. Et ensuite, il a fallu que je fasse une histoire. Avec des personnages qui existent, exister quand même 6 personnages sur une centaine de pages, c'est pas simple. Mais bon, ça c'est mon boulot d'autrice. Hein. De les faire interagir les uns avec les autres, sachant que Mars aussi était un des personnages de l'histoire. Voilà. Donc c'est pas simple, c'est un métier. Est-ce que j'ai réussi? J'en sais rien, c'est à vous de me dire.
Vous allez en faire d'autres, des bandes dessinées dans le style ou même des romans On a prévu de faire la suite, mais moi la suite elle est prête dans ma tête, même sur les 12 prochains tomes, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis dépendante du temps de mon dessinateur qui est sur d'autres projets, donc j'attends qu'il soit libre. Et les éditeurs sont OK, pas de problème. Donc dès qu'Erwan sera libre, je pense qu'on fera la suite. Donc j'ai écrit quand même 4 livres en 30 mois, mon cerveau il est fatigué. Donc je vais m'arrêter d'écrire pendant 2 ans. Et ensuite je reviendrai à des trucs. Mais du coup j'écris pour moi et j'écris pour moi de la fiction. Donc là je me débarrasse totalement, je m'en fous d'être scientifiquement exact ou même si j'aime bien écrire de la hard SF. Mais si j'ai envie d'écrire sur les extraterrestres, je le fais quoi. Je vais pas me remettre des cadres trop contraignants et j'écris des nouvelles de science-fiction. Donc voilà. Est-ce que je trouverai un éditeur? J'en sais rien. C'est pas le but en tout cas. Mais si j'ai assez de textes qui soient éditables, pourquoi pas. Voilà. Ça répond à ta question. Ah si, je viens de signer quand même. Non mais je dis que je vais rien écrire, mais je viens de signer pour faire un cahier de vacances pour adultes pour cet été. Je vous donne pas le sujet parce que je sais même pas si je dois vous le dire, donc en plus c'est enregistré. Donc non mais ça va. Voilà. Ça va parler de quoi? Technique à 2 balles. Non, ça marche jusqu'à ce que j'en ai 5 ans. Je donne un indice. 2019, on va fêter un truc important, historique, en 2019. Voilà. Bref, si vous trouvez, c'est bien. Si vous ne trouvez pas, tant pis, vous aurez la réponse. 300 ans ? Non, 400 ans ? Non. 400 ans ? Non, il y a 50 ans. La lune. Là, j'ai l'air complètement inculte, je sais pas, donc je couperai, hein, mais ouais, ok. Oui, je suis encore en train de faire la soustraction, en fait. 1969. Ah, bah oui, d'accord. Ok. La lune, c'est ça, la lune. C'est un coup, on a le temps, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions encore? Moi, j'en ai encore quelques-unes. Mais je veux surtout que... Vous ne partiez pas frustré, non? Ça va? Et là, j'ai pris des notes à un bout d'un moment parce que voilà. Oui, si tu devais donner des conseils aux jeunes, aux et moins jeunes, qui se trouvent dans la salle pour faire ce que tu fais, à part le faites pas, c'est pas un conseil. Soyez rentier. Soyez. non. Non, pas vraiment. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Non, c'est pas ça, mais c'est que moi j'ai toujours tendance à dire foncez. Uh-huh. Vous verrez après. Comment ça se passe. Ça peut être un bon conseil. En fait. Ouais. Parce que c'est ce que je fais. Ouais. Mais je sais pas si c'est un bon conseil. C'est un conseil, est-il bon? Je ne sais pas. Si vous avez envie, foncez. Vraiment. Il faut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Au moins tenter. Enfin, au moins on n'a pas de regrets sur son lit de mort. J'aurais dû tenter. Ah, c'est trop tard. Donc si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Dans la limite des lois et des libertés individuelles de chacun. Bien entendu, manger 5 fruits et légumes par jour. il faut foncer. Et puis c'est tellement... moi, je passe ma vie à apprendre des trucs. C'est génial. Enfin, il faut aimer apprendre des trucs. Et à rencontrer des gens passionnants. Et ça peut être frustrant aussi, quand le mec te raconte ses 3 séjours dans l'espace. Même avec toi au prochain. C'est génial, franchement. Et puis, si ça vous passionne, faire un métier qui passionne. C'est Confucius qui a dit fais un travail que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler de ta vie. C'est ce que je vis au quotidien. À part la compta et le juridique. Hein. Globalement, on est plus heureux quand on fait quelque chose qu'on aime, surtout quand on le fait 12 heures par jour, ça, ouais. C'est certain. Ouais. Un conseil, si vous faites de la vulgarisation ou si vous transmettez des connaissances à un public, soyez rigoureux. Parce qu'il y a vraiment une vraie responsabilité. Surtout dans en ce moment, en termes de politique, de société, où il y a une remontée des obscurantismes. Et dans obscurantisme, je mets le climato-sectisme,
les platistes, les gens qui pensent que la Terre est plate, les gens qui sont contre les vaccins, enfin tout ça. C'est très très emmerdant, c'est très embêtant. Et donc du coup, quand on se positionne en tant que passeur d'informations ou de connaissances, faut être très très rigoureux pour donner vraiment, pour pas dire de bêtises et ne pas donner de grains à moudre aux gens qui voudraient, qui cherchent la faille pour en faire une montagne. Et dit, vous voyez, voilà. Mmh. Vraiment, c'est super important la rigueur et le sérieux. Mmh. Voilà. Si vous le faites, foncez, mais soyez sérieux dans ce que vous faites. Mmh. Le faites pas à la légère, quoi. Mmh. Et du coup, effectivement, je pense que le message que tu donnes là, c'est aussi un message que tu transmets en le faisant. Effectivement, oui. Mais tu vois, on sort un peu du divertissement aussi. Mais... C'est-à-dire que, vraiment, j'insiste pour que tu aies tort sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu ne fais pas que du divertissement. Parce qu'effectivement, je pense qu'en regardant ce que tu fais, les gens voient que s'il ne suffit pas de dire les choses de manière amusante pour que ça soit vrai, pour que ça soit profond et tout. Derrière, il y a quelque chose. Il y a. Oui, mais tu vois, Alexandre Astier, ouais, non, désolé, il est comédien, il est pas, mais pourtant, il a travaillé avec des gens, mais ça reste un divertissement, tu vois. Oui, ça, mais tu aurais Bigard qui dirait la même chose, tu y croirais peut-être moins aussi. Tu sais, tu l'écoutes parce que tu sais aussi qu'Alexandre Astier, il va vers les scientifiques, il leur pose des questions aussi, il interagit. Et l'impression que ça donne, moi je le connais pas, mais l'impression que ça donne, c'est que quand il parle d'un truc, c'est que lui, il s'est posé la question, le mec a il bossé, a voulu hein. comprendre quoi. Donc, ouais. Voilà. Non mais c'est un taré, ouais. Il est fou. L'enseignement éthique à la base, oui, non, c'est un divertissement enseignement. Quelquefois. Ouais. Oui. Ah non, mais moi j'ai un respect immense pour les enseignants. Moi je serais incapable de faire ce qu'ils font. Je serais incapable d'être devant une classe et tous les jours et de. Enfin, moi, je vois avec mes parents, avec. Je serais incapable de faire ça. Mais ils ont un courage, mais que je n'ai pas, quoi. Vraiment. Ah non, les élèves, c'est des gens, quoi. C'est des gens ah, et mince. Ils sont. Non, mais. Faut que je revoie quelque chose dans mon méthode d'enseignement. Et comme les femmes, les femmes sont des gens. Ah, c'est foufou, hein. C'est oui, je balance des trucs là. Mais non, c'est des qui interagissent, qui sont vivants, qui renvoient des trucs, qui sont pas intéressés, qui ont pas envie d'être là, qui te testent, qui te poussent jusqu'à tes limites. Non, moi j'ai pas le courage d'être. Non. Moi s'il y a des gens, c'est bien sur une scène où j'ai les lumières dans la gueule et où je vois personne. Voilà, moi ça me va ça. Les gens me font peur. Non mais vous êtes là, tout va bien. Non mais je caricature évidemment, c'est de l'auto-dérision. Mais vraiment le métier d'enseignant est admirable à tous les égards parce qu'en plus vous êtes sous-payé et vous n'êtes pas bien vu par la majorité de la population. Et vraiment, vous êtes des héros pour moi. Vraiment, et héroïne. Enfin, et je serais incapable de faire ça. Et donc moi je suis bien au chaud chez moi. En sécurité derrière ma caméra. Bien sûr, après, j'ai des problèmes sur Internet parce que je monte ma tronche, je suis sous mon vrai nom, etc. Donc, c'est pas toujours simple à gérer. Mais je prends pas trop de risques d'être confrontée à un public en live qui peut me poser des questions, me mettre en difficulté, etc. Enfin, voilà, moi, si je fais une conférence, je l'ai travaillé avant, je pars pas dans des improvisations sur un sujet que je maîtrise pas. Enfin, normalement, l'enseignant maîtrise son sujet, mais il n'a pas forcément préparé la question à la fin. Enfin, voilà. Ouais, non, mais... Donc, du coup, vraiment, vous prenez des risques tous les jours que je ne prends pas. Vous ne risquez pas votre vie, hein. Enfin, quoique. Mais il y a une petite mise en danger que moi, je ne suis pas... Enfin, ce n'est pas mon métier, quoi. Comme je ne suis pas capable de faire ça, j'ai autre chose. Mais ok, d'accord, il y a un côté pédagogique dans ce que je... Tu as gagné. Je vais appeler mes parents. Bon, d'accord, vous. Non. Mais je pense qu'on est au bout du temps, là, à peu près, qu'on avait... J'ai cru que tu allais dire on est au bout du rouleau. Je me suis rattrapé, attends, tu vois, j'ai... Si quelqu'un a une dernière question, de dernière minute, on peut prendre le temps qu'il faut, mais vas-y. Ouais, quand vous parlez d'options autisme, votre premier exemple, des gens que vous mettiez dans le tas, de tout ce qui pouvait sortir en ce moment... Les climato-sceptiques, est-ce que les questions de climat, etc., c'est quelque chose dont vous pourriez être amené à faire des livres ? J'en fais déjà des vidéos. Donc c'est un sujet. Mais en fait, le sujet me tient tellement à cœur et me terrifie tellement, me terrorise moi, à mon échelle individuelle, que j'arrive pas à en parler parce que je suis pétrifiée par les émotions.
et par la peur, et j'ai envie de tout expliquer, de tout dire, et je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc j'ai fait 2 vidéos, j'aimerais en faire tous les jours, mais voilà. Pour l'instant, voilà, il faut que je règle ça avec moi-même. Mais bon, voilà, c'est tellement complexe. Là, on n'est pas sur les sciences de l'univers où il y a quand même vachement de sciences dedans. On est sur tout un champ encore plus énorme de domaines scientifiques, quoi, je sais pas, de la géologie à la chimie, en passant par bref, c'est énorme. Et donc moi, n'ayant pas de bagage scientifique, ne sachant pas lire une équation, déjà que je galère avec mes thématiques à moi dans lesquelles je me suis spécialisée, si je devais travailler avec autant de sérieux sur la question du climat, j'ai pas fini, quoi. Faudrait que je vive, 300 000 ans. C'est pas prévu non plus, ça. Donc, voilà. Donc, j'en fais quelques vidéos parfois, mais j'essaye de pas trop. Et je m'implique à titre individuel, personnel, dans des actions. Je partage. Là, il y avait la campagne On est prêt pendant un mois. J'ai été une des figures du mouvement. Voilà, je m'engage. Politiquement, on peut dire en faveur de tout ça, mais de livre, je ne me sens pas de le faire. Je ne me sens pas légitime, et il y a des gens très légitimes et très bien pour le faire, et très bien qu'ils le fassent. Mais là, non, la légitimité sur ce sujet-là, pas tout de suite, quoi. Peut-être jamais. Alors, on ne sait jamais ce que la vie va nous apporter, hein, mais je ferme pas la porte. Hein, mais pour l'instant, de toute façon... Pour le moment, je n'écris rien. Je ne peux, non. Mon cerveau, il dit « va te faire cuire le cul ». Non, il me dit qu'il a besoin de se reposer. Donc, tu as peut-être aussi profité un peu du fait que des bouquins sortent, non? Oui, mais ça ne me dit pas comment je vais payer mon loyer. Okay. Mais le prochain sort en avril, voilà. Donc j'ai hâte d'avoir entre les mains, de le toucher. Avril, réservez avril. Tous le mois d'avril, il y a un livre à acheter. Oui, relu par Richard. Avec son nom dedans, avec 12 merci en caractère. Ah non, on a dit qu'on ne parlait pas de moi, quoi. Le mec a passé des heures à me relire, quoi, à me corriger, hein. Mettre du rouge partout. Mm-hmm. Non. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, non. Quand même, un peu, évidemment. Ça sera un beau livre. Ouais. Mais voilà, mais évidemment qu'il y a ton nom dedans. Ouais. Voilà. Bon. Vous voulez. Donc s'il y a des conneries, c'est lui qu'il faut frapper. Voilà. Ouais. Mais en plus, je suis là, vous savez me trouver. Donc, d'autres interventions sur toi, je pense que tu vas venir, tu vas poser une question après. Oh, mince, je l'ai montré du doigt. Oh. Non, mais je comprends les gens timides, ouais. Étant moi-même une grande timide. De toute façon, c'est moi qui est en voiture et qui te trimballe. Oui, c'est ça. Parce que j'ai un train après, mais... oui, mais c'est bon, mais je gère. Du coup, on va s'arrêter ici pour la partie enregistrée publique. Je te remercie encore une fois vraiment, vraiment d'être venu ici, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Avec des faits, des chiffres et des gens que j'ai balancés. Voilà, très bien. Faire des amis encore. Des petits coups de colère aussi, c'est bien. Non, je dis ce qui est. Ouais. Voilà. Okay. Merci. merci à tout le monde. Et puis à l'an prochain au sens rentrée universitaire. Et merci d'être venu un mercredi midi au lieu d'aller manger un hamburger au chaud. Ah oui, vous pouvez faire ça, tiens. Moi aussi. Bon, merci.